Tout est bien qui finit bien. C'est ce que l'on puisse dire de ce festival d'Ari qui a réuni pendant 12 jours les filles et fils des 23 provinces du Tchad. Des retrouvailles qui ont permis de valoriser le patrimoine culturel et artistique du pays de Toumaï. Le festival d'Ari a permis de montrer aux yeux du monde la richesse de la diversité culturelle tchadienne. Au-delà de cette considération, ce festival d'Ari est une réponse aux affirmations égocentriques des explorateurs occidentaux. Cette tendance à être centré sur soi-même et à considérer le monde extérieur comme fonction d'intérêt qui faisait croire que l'Afrique n'a pas de culture. Ces 12 jours d'exposition des œuvres artistiques, des produits artisanaux et de danses folkloriques ont permis aux Tchadiens de différents horizons de se connaître et de connaître leur origine, leurs racines. Car dit-on, la culture c'est l'âme d'un peuple. C'est à juste raison que le département du développement touristique, de la culture et de l'artisanat exprime ses reconnaissances aux plus hautes autorités qui se sont investies pour la tenue de ce festival qui constitue une page de l'histoire du Tchad. Le festival d'Ari nous a fait rendre compte que notre force, c'est notre diversité. Notre force, c'est notre richesse culturelle et artistique. Grâce à votre confiance, on peut faire plus, on peut faire beaucoup plus. Et nous, toute cette équipe, nous sommes prêts et en marche vers un Tchad uni, fort et émergent. Cadre des rencontres festives, d'expression culturelle et artistique, le festival d'Ari, qui a vu défiler plus de 200 000 visiteurs tchadiens et étrangers, a été marqué également par des concerts en plein air, des artistes musiciens tchadiens, africains et occidentaux, des présentations théâtrales et des spectacles de cirque.